Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Deux, trois petits trucs avant de terminer la vidéo. Déjà, si vous entendez un petit décalage sonore, c'est normal. Faut savoir que ce compte-là n'a pas 18 ans, parce que je n'ai pas 18 ans, et donc je suis pas censé enregistrer les sons de la partie. Problème sur mon rush de base, donc le tour que j'ai enregistré, il y a les sons de la partie, que je ne comprends absolument pas, parce que j'ai même pas la... l'autorisation de les mettre en théorie. C'est bloqué sur les comptes avec moins de 18 ans, donc bon bref, c'est pas grave. Donc du coup j'ai dû faire un schmilblick avec la rediffusion et tout pour récupérer le son, essayer de le mettre là, j'espère. Enfin, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je pense pas qu'il y ait de décalage, mais bon, si vous sentez une micro seconde de décalage, c'est possible. Également au niveau du classement, cela nous place 14e mondial, 6e européen et 1er français. Ce qui est vraiment cool pour le coup. Alors, malheureusement, cela nous rapportera pas de prix, étant donné que... voilà. C'était, il y avait des prix, je crois, c'était un petit trophée pour ceux qui étaient dans les trois premiers. Je suis à un peu moins de 4 dixièmes de ce stade-là, ce qui est pas grand-chose, mais à la fois beaucoup. Également... je suis à 5 dixièmes et demi, je crois, du record du monde, ce qui est plutôt correct. Donc je suis plutôt content de ce tour. Voilà, j'avais dit en stream que ça pourrait être cool si je pouvais faire ce temps-là, et au final je l'ai fait, donc c'est plutôt pas mal. C'était exactement la place que je pensais en fait, parce que le 15e, 16e et 17e, enfin 15, 16, 17, 18, 19, c'est entre 672 et 699. Donc voilà, je voulais mettre un peu plus au-dessus, comme ça me permettait de gagner 5 places en globalement 30 millièmes. Donc c'est fait, c'est plutôt cool. Et ouais, je suis plutôt content de ça. On a des beaux noms derrière, on a également des beaux noms devant. Donc ouais, assez surpris de ce chrono-là. Je pensais pas aller le chercher. J'avais dit que je pensais, enfin que je pensais pouvoir le faire, mais le faire après c'est autre chose. Donc ouais, globalement très très content de ça. Voilà. Alors si vous revoyez ce chrono sur Améliore ton chrono, c'est normal. Je vais m'en servir pour Améliore ton chrono Spa parce que globalement c'est mon meilleur chrono que j'ai jamais fait de tous les temps en fait sur Spa. Donc autant s'en servir. Autant s'en servir, je pense que c'est le tour le plus parfait que je peux vous présenter. Donc voilà. J'ai plus rien d'autre à dire. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et sur ce, les gars, je vous laisse. C'était Devil. Rendez-vous la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!